Bonjour, mon nom est Mathieu Veil. Je suis l'un des trois coprésidents du groupe de travail sur l'amélioration de la redevabilité de l'ICANN. J'ai été nommé par le groupe des gestionnaires de code pays, le CCNSO. Je vais vous décrire aujourd'hui les grands principes sur lesquels notre groupe de travail a travaillé. Sur votre écran, vous verrez quatre blocs fondamentaux. Notre groupe considère qu'on peut élaborer une architecture robuste de gouvernance, de redevabilité, grâce à ces quatre composants selon une approche de séparation des pouvoirs. Ces quatre composants sont la communauté, qui est l'équivalent du peuple ou du pouvoir législatif, le conseil d'administration de l'ICANN est la seconde composante, équivalent du pouvoir exécutif, les principes ensuite font écho à la Constitution, troisième composante, et enfin quatrième composante, un mécanisme d'appel indépendant, qui équivaut au judiciaire. Ceci instituerait un système de contre-pouvoir, une véritable séparation des pouvoirs. Notre tâche en tant que groupe de travail est de trouver des moyens pour remplacer la relation historique entre l'ICANN et la fonction YANA et le gouvernement des États-Unis. Nous avons considéré que substituer en un sens la communauté elle-même au gouvernement américain était une idée forte. Nous avons par conséquent travaillé sur l'idée d'une communauté au pouvoir renforcé. À travers laquelle certains pouvoirs de vote seraient donnés aux SOAC, les groupes internes de l'ICAN. Notre modèle de référence à ce stade prévoit 5 votes chacun, sauf pour RSAC et SSAC, qui en tant que comité d'experts en auraient deux. Alors, quels sont ces pouvoirs dont la communauté serait dotée Toujours selon notre modèle de référence, ce sont le pouvoir de rejeter le budget ou le plan stratégique de l'ICAN, le pouvoir de rejeter un projet de changement des statuts, de les approuver au préalable quand elles touchent certains articles fondamentaux, de démettre un membre du conseil d'administration, ou même de démettre l'ensemble du conseil. Ainsi, notre groupe a considéré que la communauté devait avoir le pouvoir de remplacer un membre du conseil d'administration, ou même de sanctionner l'ensemble du conseil dans des cas extrêmes. Nos propositions forment ainsi une sorte de mécanisme d'escalade qui permet à la communauté d'apporter des réponses adaptées aux enjeux. Actuellement, nos propositions sont de fournir à chaque groupe qui élit un membre du Conseil d'administration de l'ICAN la possibilité de démettre ce membre de ses fonctions et nous débattons de la meilleure manière de démettre les membres nommés par le comité des nominations, soit par le comité des nominations lui-même, soit par un comité spécifique créé ad hoc. Pour démettre l'ensemble du Conseil d'administration, le mécanisme qui était proposé actuellement nécessiterait que trois groupes SOAC au moins dont au moins un SO et un AC délibèrent au sein de leur propre communauté en vue de cette démission, puis qu'un vote global de la communauté au pouvoir renforcé approuve cette sanction à plus de 75 Aujourd'hui, le conseil d'administration de l'ICANN a le pouvoir de modifier les statuts de l'organisation. Certains ont exprimé l'inquiétude qu'un futur conseil puisse revenir sur les améliorations de gouvernance proposées par notre groupe. Nous proposons par conséquent de séparer deux catégories de statuts. Nous différencions entre les statuts standards et les statuts fondamentaux. Ces derniers seront plus robustes et le processus pour les changer plus complexe, tout en maintenant un niveau de flexibilité qui soit suffisant pour s'ajuster à l'environnement changeant de l'ICANN. Selon nos propositions actuelles, les statuts qui seraient fondamentaux incluraient la mission de l'ICANN, ses engagements fondamentaux, ses valeurs, le processus d'appel indépendant, la manière de modifier ces statuts fondamentaux, certaines revues structurelles, et notamment la revue structurelle de la fonction IANA, telle que demandée par le groupe de travail sur le volet nommage de la transition, et enfin les pouvoirs de la communauté eux-mêmes. Pour résumer, les statuts standards sont approuvés par le conseil d'administration après un processus de consultation publique, et la communauté peut alors apposer un veto a posteriori. Pour les statuts fondamentaux, L'approbation préalable de la communauté est nécessaire. Enfin, le processus d'appel indépendant. ICAN a déjà un tel processus, mais le groupe de travail a identifié des inquiétudes fortes sur son efficacité du fait qu'il ne s'appliquerait que sur des vises de forme ou de procédure. Aussi, nos propositions consistent à améliorer ce processus en rendant ces décisions véritablement liantes pour le Conseil d'administration, sans appel à ce qu'elle crée un corps de jurisprudence qui fasse précédent et qu'elle soit rendue par un panel issu d'un groupe de sept experts permanents. Pour chaque cas, un à trois de ces experts seraient choisis. Grâce à ce processus, il pourrait être fait appel des décisions du conseil d'administration ou des décisions des équipes de l'ICANN lorsqu'elles ne respectent pas la mission de l'ICANN, sont contraires à ses engagements ou à ses valeurs. Le processus ne doit pas être invoqué trop facilement pour éviter des abus, mais il doit aussi impérativement être accessible. Pour cela, le coût devait être abaissé, ainsi que les délais de traitement. Voilà pour une vision rapide du rapport très fouillé que notre groupe a publié. Il est important de souligner que ces propositions ne sont pas encore des recommandations de consensus. Dans certains cas, nous avons mis en avant différentes options sur lesquelles nous espérons recueillir des commentaires, des avis. Merci d'avance de votre intérêt pour nos travaux. Vous trouverez le rapport sur le site internet de l'ICANN ainsi que des graphiques qui illustrent ces propositions. Nous espérons que vous contribuerez, car nous avons besoin de vos avis pour nous guider, nous dire si nous allons dans la bonne direction, ou si nous devons apporter des corrections, ou ajouter certains éléments que nous aurions oubliés. Merci de votre attention.